Regarde, tu vois là la fumée qui apparaît? Là t'as celui de 5, celui de 10, et quand on les aligne, et ben ça fait la chronologie, regarde. Vous êtes encore là-dessus là? Ouais. Regarde, ouais. Tu la vois la tour là? Et là la fumée, ouais. Comme dans les images du 11 septembre, celle de la télé, et là, regarde sur le 50, après il n'y a plus rien parce que les tours elles sont tombées. Tu vois? Mais comment c'est possible? Mais parce que tout a été planifié. Ouais, tu vas long là. Vous ne croyez pas? Allez. Non? Non, mais n'importe quoi. Mais, non, mais attends, après, elle a peut-être pas tort. Non, mais exagère. N'importe quoi. Comment c'est, toi? Non, mais on rentre pas là-dedans. Ok, ok, je suis folle et on n'est pas du tout manipulé. Non, oui, t'es folle et on n'est pas manipulé. Prouve-nous que c'est vrai. Là, tu pars trop loin, Mel, quand même. Ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est une étiquette de Fanta. Oui, et? Bah, tu vois pas la tête de diable là? Avec les mains qui sont en train de serrer le monde. Putain, mais c'est ouf. Ça veut dire quoi, du coup? Non, mais ça veut dire qu'on nous ment tout le temps. Et que le monde, il est dirigé par des intérêts qui nous dépassent. Non, enfin bon, si tu commences à déduire ça à partir d'un dessin, c'est pas très scientifique comme raisonnement. Mais ça se trouve, c'est juste un mec qui est venu, qui a dessiné sur un truc de fantasme et tout. Regardez, si moi je plie ma frite en trois, ça fait une pyramide illuminative. Non, mais pour vous, c'est juste des coïncidences. C'est comme ça. Bah oui. Bah oui, c'est juste des coïncidences, même. Vous êtes trop naïf. Sérieux, ça rend parano. Donc pour vous, c'est pas si bon. Après, tu regardes n'importe quoi et tu vois des trucs partout. Mais oui, tu fais des liaisons partout, ça n'a rien à voir. Attends, peut-être que sur les autres bouteilles, il y aura quelque chose. Oh, regarde, il y a un 6. Oh mon dieu. Un deuxième, un troisième. Oh, mais arrêtez. Il y a 6, 6. Arrêtez de boire. C'est chétan, ça. Mais vous moquez pas. Tu bois du coca. Et vous vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce qu'on était si addict au coca, au Big Mac, tout ça? Mais Mel, c'est juste parce que c'est trop bon, c'est tout. Mais Pauline, je suis sérieuse, putain. On nous bourre de trucs pourris toute la journée alors qu'on sait très bien les maladies que ça va engendrer. Mais ça n'a aucun rapport. La vache folle, ça va pas exister. Mais c'est une maladie. Et le VIH. Et le chikungunya et tout ça. Sida, tout ça, non, franchement. Non, mais attends, ça profite à qui, à ton avis? Ça profite à qui, le médiateur? Tu sais, si tu cherches des signes, tu vas en trouver partout. C'est clair. Ouais. Bon, allez, moi, je vous laisse. Hein, j'ai rendez-vous avec mon marabout. Ah, mais tu vas pas partir. C'est trop bête. N'importe quoi.